Monsieur Victoria dire qu'il méritait le score qu'il a fait. Parce qu'il respecte personne. Il respecte pas ses adversaires. Il respecte pas les Dionysiens. Il respecte personne. Ça n'est pas un homme de parole. Et ce soir, le message a été clair. Il faut qu'il se retire de la vie politique. Il n'a rien à faire ici. Terminé, Morel. Et vive Philippe et vive Brigitte. Vraiment, le score est incroyable. Ce score veut dire d'abord la confiance vis-à-vis de Philippe et de Brigitte. La confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. La confiance, ça se travaille. La confiance, c'est du long terme. La confiance, c'est tous les jours. On peut faire ce qu'on veut. Quand il n'y a pas de confiance, les citoyens ne viennent pas voter. Et quand ils viennent voter massivement, comme ils viennent le faire pour Philippe et Brigitte, c'est qu'il y a de la confiance. Chers camarades, à mon tour, je voudrais remercier à vous. Remercier à vous pour votre engagement pendant ces 3 semaines, votre engagement sans faille. Dès le lundi 10, certains d'entre vous autres déjà étaient sur le terrain. Et Zod l'a jamais lâché jusqu'à vendredi et encore aujourd'hui, même si on ne faisait pas de campagne directement, mais vous étiez présent dans les bureaux de vote. Parce qu'il faut aussi être dans les bureaux de vote. Du fond du cœur, chers militants, chers camarades, je vous remercie. Je remercie bien sûr les élus de la ville de Saint-Denis qui se sont rendus immédiatement disponibles, qui ont été sur le terrain, partout, dans tous les quartiers de Saint-Denis, sur tous les cantons de Saint-Denis, partout.